Outre le fait que la nation doit bien un peu de reconnaissance aux rescapés de la boucherie de 14-18, il faut revenir au contexte international. L'Allemagne a institué donc les 8 heures dès novembre 1918, la Pologne a fait de même, puis le Luxembourg, l'Autriche et la Tchécoslovaquie. Bref, l'argument traditionnel du patronat et des libéraux sur la concurrence internationale ne tient plus vraiment la route. Et puis surtout, il faut calmer au plus vite les ardeurs révolutionnaires qui risquent de se propager chez les ouvriers français, à l'instar des spartakistes allemands et des bolcheviks russes.